à bord de l'autocar, le nouveau Territo U, qu'on utilise ça pour des services scolaires ou bien des services interurbains. Voilà. En plus, c'est plus pratique, sauf que le seul défaut, c'est le braquage des roues. En fait, il ne braque pas assez comme il faut. Mis à part les MAN, les Mercedes, eux, ils braquent super très bien. Super, super. À part les autocars, bon, ça braque de moins en moins bien, mais avec ça, c'est plus pratique, c'est plus souple. En plus, c'est tout classique. Voyons tous les boîtiers, tous les commandes que nous avons. En plus, on a des super sièges confortables. Ah, c'est sympa. Voilà. Alors là, je vous fais une vidéo pour la démonstration de la conduite d'un autocar. Le nouveau Territo U. On va en direction de l'aéroport. Voilà. Je fais du soir, je fais de la pique, la poste. Je fais la poste. On ramène des gens qui travaillent, on ramène des gens qui ont terminé le travail. Donc voilà. C'est le dernier tour. Après, hop, j'ai terminé. Et on fait cette tournée demain soir. Après, j'avoue que voilà, il fait trop chaud dehors vu qu'ils ont annoncé presque 30 degrés. Que ce soit les gens qui se plaignent d'être dehors, ils préfèrent être dans un bus, dans un centre commercial pour être au frais. Ça, je peux comprendre. Voilà. C'est super sympa de conduire ce beau bus qu'on utilise pour des milliers de kilomètres. En plus, c'est super simple, ça se conduit classiquement, mais c'est un peu comme les MAN où on peut braquer tout, puis voilà. Bon, mis à part ça, la structure, la caractéristique du véhicule,
Elle est un petit peu bizarre, mais non. Moi, j'aime bien ce petit modèle. J'aime bien ce petit modèle, mais après, ça rend le gaz. Voilà. Ça roule en gaz. Hop. Ouais, je sais que tu en as marre des feux de route. Je t'ai enlevé ça pour toi. Hop, je remets.